Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Shadow Gambit. On continue notre petite excursion dans l'île de la pénitence. On avait plutôt bien éliminé la garnison existante et il fallait qu'on se fraye un chemin jusqu'au X. Le X marque l'endroit. Par ici donc, on est là, on a encore quelques personnes à éliminer et notamment on a une patrouille ici de deux et un mec un peu tout seul. On devrait pouvoir se débarrasser assez aisément de l'acolyte qui est là. Alors, on va sortir du mode pause, tac, et avancer avec notre petit groupe. Donc eux voient pas directement en haut, hein, mais ils peuvent voir. Donc on va y aller progressivement, on va dire. Voilà, ça y est. On peut aller s'occuper de celui-là. Là, il voit pas, pareil, à cause des arbres. Et là, on peut repousser cette. On peut repousser ça en vrai. Intéressant. Back to the seas. A pirate's delight. What would we have to do to free the other souls? The energy reliquium can only summon one soul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se planquer là. It would take time that we don't have. Et toi, we tu have cannons, vas eh? Jeter ça. Why not blow this place sky high? The urns are secured with a tiny spark of Maiden's fire. Any damage to them, and the soul inside alors, would be toi, consumed. I feel rotten leaving them all imprisoned here. As do I, Navigator. But we have no choice. I'm always gone with the on my way. Parfait, c'est géré. On va aller s'occuper de lui. At your service. Et toi, écoute, va rechercher ce corps. I'm here. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le cacher dans le coin? Pas vraiment. What's in it for me? Let's get you somewhere else. Du coup, on va balancer celui-là à l'eau, c'est pas très grave. On va pas s'embêter. Hop. Allez, like on se regroupe. One. Et donc, le chemin pour passer, c'est par là. On va faire une petite sauvegarde. Il nous reste un garde ici, mais il est plutôt statique. On peut l'éviter facilement. C'est parti, on va faire le tour par là. On s'embête pas. Alors, j'y pense en voyant le fantôme là. Dans l'écran de chargement, j'ai eu une petite notif, enfin un petit tips qui disait que les civils étaient toujours neutres en fait. Les civils sont toujours neutres, même s'ils nous voient faire des actes répréhensibles, ils préviendront pas les gars. Donc, comme ça au moins, on sait qu'ils sont là pour le décor, plus ou moins. Ils ont toujours des petites réactions et tout quand ils nous voient, mais rien de. Rien de répréhensible. Et bah creusons. Un coffre. Curious, that relic. Am I seeing this correctly? The captain's hand. I thought he'd got rid of it for good. Se débarrasser de sa main. C'est bizarre ces pirates. Hein. That's how it's done. So this is the hand he lost at Port Royal. I still remember the burning city. Screams of the innocent. We'd saved as many as we could. Even with my power, it took us countless attempts. The captain had just brought the last of the evacuees on board. And I noticed his hand was severed. I wanted to try again, but he refused. It was the smallest sacrifice. Saving his hand meant more lives lost to the Zealots. You did the right thing. They still sing shanties on Soulspire about you and the fleet. It's all a memory now. What matters is that we have the relic. Return to me, everyone. Et bah c'est parti. Straight to the point. Et return to me. Retournons au Marley. On va sauvegarder au cas où il y a un truc que j'ai raté puis qu'on déclenche quelqu'un. Mais normalement c'est nettoyé. Je crois que l'Inquisition va peut-être remettre un petit peu en cause le fonctionnement de leur. I'll be there soon. Through the below we go. De leur prison après ça et c'est pour le mieux.
Alors, on a caché au moins 150 corps. On a terminé la mission, mais c'est tout ce qu'on a eu. Intéressant. Et Toya a éliminé 50 membres d'équipage. Ok. Ça, c'est pas grave. 13 morts, 10 morts, 13 morts, c'est propre en 30 minutes. Ok. Bon. Très très bien. Je sens que avoir les objectifs de carte, ça va pas être simple. Hein. Et nous voilà rentrés. Alors, il y a un truc à dire à lui. Du coup, bah non, faut pas se parler là maintenant que t'es là. Lui a besoin de nous parler. Alors, discuter. Ahoy, Mr. Mercury. Ah, Aethia. Good talking to you. Ah, Sir Reginald, no need to be so coy. She's a member of the crew now. That's the spirit. He greets you saltily. I take it that's a good thing. Salt wouldn't be all over the ocean if it were bad, would it? I'm not sure I'd draw the same conclusion. Well, Sir Reginald does. You two are thick as thieves, huh? Does he help with fixing the Marley too? Aye, aye. Reg here strains his fins just as much as I do my arms. And he keeps me good company, which I value a lot too. I'd say in this crew, good company is in high supply. Aye to that. Now, if you'll excuse me, I'll have to work on the broken mast, or not even Marley's magic will keep it from toppling. We can't have that. I'll leave you to it. Please, help. I like these odds. Alors, continuons. Donc maintenant, on doit parler au Marley. Et on peut faire une histoire d'équipage. Est-ce qu'on peut faire l'histoire d'équipage de lui? Ok, on peut faire l'histoire d'équipage de notre ami. Et du coup, là, je regarde juste Toya. Ok, on a vraiment rempli deux cases, d'accord. Donc ça va, il y en a 5 par mec, ça devrait le faire. On va lancer la suite, enfin activer la suite. I was wondering where the captain's hand had disappeared to. Pretty gutsy to use your own hand in a treasure hunt and pump it so full of soul energy. I'd still have preferred his hand on his body. I guess sometimes you have to make sacrifices, even with your power. Unfortunately, I cannot refute that. I will make do with extracting the energy from his hand. Ok, on a récupéré ça. That's coming from the bow. I like it already. Il y a une voix bizarre qui me parle. Ah mais c'est le jester là. Qu'est-ce qu'il fout là? L'arlequin, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, très bien. I'll be there soon. Ah, Signora Manicato. I'm glad you have survived thus far. Il a ses deux mains, donc c'est probablement pas mon décalé. Not for your lack of trying, Jester. You threw me right in the thick of it. I told you I wish to be entertained. And please, call me Virgilio. Very well. What brings me the pleasure, Virgilio? A simple courtesy call, lest you assume I've lost interest. You don't mind? Oh, not at all. Though I can't speak for the Marley. Oh, don't worry. I have my ways of slipping under her notice. Now, don't let me keep you. The road ahead is long, and I have a lot of riding on you after all. A presto, signora. Il est capable de se cacher du Marley. Hey, Marley, notice anything unusual just now? You mean aside from you staring blankly into the void? No. I do, however, have a question for you. Come by when you are able. Wow. Ok, donc là on a quelqu'un de plutôt énervé, plutôt badass visiblement. On va essayer de faire l'étape, la quête de John, tiens, pour voir. Donc, à peu près comme tout le monde, il faut qu'il commence par parler au Marley. Allons-y.
car, Marley. You know what time it is? I really do not enjoy rhetorical questions, shipwright. It's time for your yearly mopping and sopping checkup. Aye. Is that the checkup that always ends in you covering me with that odorous soap mix? That's exactly the one. I still don't understand. You're the shipwright. Why don't you let the skeletons do that work? Good one, Marley. I suppose those bony fellas could do an all right job with the small bits here and there. But there's things on a ghost ship only a professional can clean, which you should know by now. Now, let me have a look around. Il tient à se charger lui-même de nettoyer les trucs. Alors attends, non. Ah oui, lui, sa quête suivante. Non, maintenant que j'ai lancé la quête avec lui, pas le choix. Ah, je me disais bien que c'était pas normal cette espèce de truc rouge là quand je suis passé à côté avec Afia. What have we got here? Nothing. Really? What do you think, Sir Reginald? Yeah, Reg, I agree. That's not nothing. That's something. And not just anything. Yeah, right. That's ghost rot. And a bad case if I've ever seen one. Left unchecked, that'll eat through your hull all the way down to the keel. But don't you worry, Marley. You know what I always say. Come on now, Marley, I'm sure you remember. Ugh, 16 turtle eggs marinated with 2 buckets of whiskey topped with the intestines of a decent-sized starfish. And you got yourself a soap for the ages, right on, Marley. Looks like the Inquisition didn't get to you that badly then. Now, about those starfish intestines. Not a chance, shipwright. All right, I'll find them myself then. Il y avait une grosse étoile de mer juste à côté de toi, là. Juste là, là. Alors, il faut parler à Afia pour la suite. Ok. On va prendre les portes, voilà. Comme ça, il peut aller vite ici. Nickel. Ah, Afia. Hello there. John, anything I can help you with? Yes, you might. The Marley got a nasty case of ghost rot, and I need starfish intestines to clean it up. Quickement loufoque. Rot, starfish intestine. Oh, you're pulling me leg, aren't you? No, oh, it's dead serious. Ghost rot is no joke. And the only thing saving us from literally sinking are the insides of a starfish? Well, it's part of the cure, yeah. Whiskey and turtle eggs are the other 2 ingredients. Why don't you ask the Marley herself? She's probably got a good overview of our supplies. Ah, you know, I wouldn't want to bother her. Stuff like this was always something Mordecai dealt with. Really? Mordecai fished starfish for you? I'm not sure I entirely believe you, John. Good on you. Never trust a pirate, especially if they're in your crew, right? Well, it was worth a shot. I'll figure something out. See you. Right. See you too. You too. C'est Yoto, Yoto. Bien, bien tenté, mais c'est raté. Ah, il faut ça. J'étais pas sûr qu'il fallait 25, mais ça fait quoi lui? Ah, il peut dissimuler des membres d'équipage avec sa capacité améliorée. Maybe we'll find something. Alors, les réserves sont ici. Très bien. Fouillons, fouillons. Nothing here but rope and bones. Y a plus de poisson. It looks like they got to ask around a bit more, but that'll need a bit more time than what we have at the moment. Aye, let's get something to drink, all right. La solution de tout bon pirate, trouver un truc à boire. Ok, donc du coup, on est d'accord, je peux plus faire d'étape là. Mais lui, a priori, il pouvait parler à Marley. Qu'est-ce que t'avais à lui dire? Ah non, du coup. Du coup, c'est plus lui. Ok.
Bizarre. John un petit bug, toujours la version de review, hein, je n'ai pas encore sorti quand je tourne ça. Planks, farming nails, you know that's what I'm here for, Marley. I'm a ghost ship. I can keep myself together well enough. Really? Your mask drifting apart more than ever and your dick squeaking louder than my grandma's rocker. I see. I will send the skeleton crew to fix that up. Ah, no way! You know Sir Reginald won't ever let it rest if a pile of bones does my job. Ha! You heard him. Gotta go, Marley. Mop's not mopping itself. You do realize it could do that on its own. What? The mop. It could mop itself. Yes, of course. Suppose the saying is a bit outdated then. Aye, aye, I'm old-fashioned. No need to dive it in. Now, let's get going. The work's not magically gonna do... Oh, let's just go. Ok, c'était le petit dialogue de après l'avoir découvert, du coup. J'avais pas dû faire... Donc on est d'accord que toi, t'as rien à faire. Non, et John, il a encore de quoi parler. Vérifier ce que c'est la même. John Mercury reporting back for duty. Ok, c'est la même. Pas de soucis. Alors du coup, Afia aussi, tu dois lui parler. Vu que on a de quoi résoudre l'énigme. Another successful venture. Your expertise does come in handy, Navigator. So, tell me. What draws Aphia Manicato to my captain's legacy? Does a pirate need a reason to chase after treasure? If the chase means facing an inquisitor of the maiden, then yes. A fair point. I do want to carve something from your captain's hoard. Which would be? A reputation. Whoever finds Mordecai's treasure has made their first step to becoming a legend. So... You would use my captain's death to grow your own fame. Don't misunderstand. I don't want some easy shortcut to glory. If I'm going to be remembered, it'll be for something worth doing. And finding your captain's legendary treasure and spitting in Ignatius' face, well, that seems like a worthwhile cause to me, eh? You surprise me, Navigator. Alors, du coup. Alors, j'ai vu le choisissez une mission qui a sauté, mais je pense que la suite c'est choisissez une mission. On va donc aller choisir une mission. Alors, on a de l'énergie d'âme, donc si on faisait une mission pour une perle, ça veut dire qu'il y aurait moyen. Ouais. Je pense qu'on va faire les jumeaux. Pour aller chercher une perle et se ressusciter quelqu'un d'autre. Here they are, the twins of Nurekaresh. A rather elaborate name, but a dramatic style. Twins likely the Nazi ceremony, those who are well known. How do we go about this then? We must land on the island, most likely awaiting long, long to notice us. But when they speak to you, clearly long, do what they say. At the right moment, we must get towards that pearl. Now, choose our landing. Neresh et Temeresh. Est-ce que... c'est des espèces de pierres peut-être, là, de les jumeaux réellement. Il y a d'avoir une aura autour de... des cailloux là. Il y a l'air d'avoir un genre de brume aussi. Lui, il joue de la mandoline. Ok, très bien. Ah oui, l'autre il est en train de le neutraliser là. Ok, très bien. Alors du coup, on peut débarquer où ça? Sur ces deux extrémités, en gros, d'un côté ou de l'autre des jumeaux. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a du peuple. En plus, il fait jour. Il faut que je scrolle par là. Difficilement, voilà. Là, ils n'ont pas encore compris que l'île s'appelle les jumeaux pour une raison. Je pense qu'on va aller là, il y a du potentiel de s'amuser là. Il y a un commissaire qui patrouille, des mecs qui nous tournent le dos. On va aller là. C'est parti.
Et puis bah du coup, il nous faut nos trois compères, c'est parti. En tout cas, le fait qu'il faille monter à 25 points pour avoir un jeton de vigueur et améliorer une compétence, si le jeu est fait pour qu'on puisse améliorer toutes les compétences de tout le monde, ça veut dire qu'il y a un paquet de quêtes quand même, hein. Déjà, je voulais essayer de me choper l'autre, mais il fait trop jour, il m'a vu. Donc, pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va attendre la fin de l'intro parce que je me concentre pas sinon. Le buisson rouge et le buisson bleu. Ok, le buisson rouge est là. Le buisson bleu est là, le buisson rouge est là-bas. Ok, bon, du coup, entre 2 et 5. Parfait, alors. Voyons voir. Lui, je pensais qu'on pouvait le choper. Mais c'est peut-être un peu short. Quoique, quand il passe là, c'est jouable. Je pense que c'est lui le plus lointain. Ouais, non, là, on n'a pas assez de portée avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de lui avec ça. Dès qu'il se pointe, l'autre, de toute façon, nous tourne le dos. Et après, on enchaîne avec celui-là. Normalement, là, on est complètement en dehors de son champ de vision. Parfait. Allez, à la baille. Largement assez de cadavres là pour y aller comme ça. Alors, la suite. Okay, on va se planquer là-dedans et on va sauvegarder. Regardons un peu ce qui nous attend. Ici, ils surveillent un peu tout. Là, ils se surveillent l'un l'autre, mais on a moyen probablement de l'attirer à un endroit intéressant. Le commissarius, on peut pas l'attirer. Mais si on arrive d'une manière ou d'une autre ici, on peut faire tomber ça. Enfin, après, c'est quand même vachement proche, hein. Ça me paraît chaud. Ça me paraît pas avoir la chandelle, ces caisses-là. Je pense que la priorité, ça devrait être d'attirer celui-là. Donc, pour ça, il va nous falloir notre ami et celui-là. Donc, toi, tu te caches, toi, tu viens l'attirer là. Et après, tu le tires. Et tu laisses faire ton copain dès qu'il est dans l'angle mort. Hop là. Le commissarius papote tranquillement. Un de moins. Lui. Qu'on aurait moyen de l'attirer par là, probablement. Il y a aussi des buissons juste ici qui nous permettront de nous cacher et peut-être de tuer celui-là, mais le commissarius, il va jusqu'où? Est-ce qu'il va ici à tout hasard? Parce que lui, on peut pas l'attirer, hein, donc non, il s'arrête en plein dans l'angle de vue. Okay. Donc c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Toi, tu peux tracer par ici, t'occuper de celui-là. Ça fera déjà un de moins qui surveille la plage. Non, oui, ça arrête. Je croyais qu'ils allaient venir, mais non, c'est bon. Il tue vraiment vite, hein, Toya. C'est quand même cool.
Bon, faut pas qu'on en dissimule trop, hein, parce que il faut quand même qu'on en mette au moins deux là, si ce n'est cinq. Alors, comment on va faire la suite? On va pouvoir se faufiler assez aisément dans ces buissons-là et tuer celui-là peut-être à un moment où l'autre n'est pas attentif. Je pense que ça va être le plan. Si on élimine celui-là, on pourra facilement éliminer celui-là. Ouais, il est pas surveillé, ouais, je pense que ça va être tout à fait pertinent. Faufilons-nous jusque là-bas. Bien en allongeant, c'est parfait. En termes de zone de bruit, ça fait beaucoup de bruit. Le plus efficace, ce serait peut-être toi en fait. Je sais pas si ça va être quand même très proche de sa vue. Est-ce qu'il va nous voir? On va voir ça. Sinon on aura aussi la possibilité de lui accrocher directement dessus. Visiblement, on reste discret. Ok, parfait. Nickel. Toi, personne te voit, hein. Personne te voit, donc on peut envoyer la copine s'en occuper. On va laisser le cadavre là. Et ces deux-là, on va pouvoir s'en occuper avec. Waouh! L'autre, elle a fait exprès de faire tomber les caisses, quoi. Vas-y, exécute ça, et maintenant tu vas faire ça, et toi, juste avant qu'ils sortent. Merde, putain, ils ont vu le cadavre. D'accord, donc ils nous font des blagues à nous aussi. C'est bon à savoir. Little Deathbringer. Venez par là, vous. Donc le cadavre, on va le prendre, on va pas le... On va le mettre juste peut-être un peu plus loin. Genre là. Et on le ramènera plus tard, juste pour qu'il le voie pas. Toi, tu vas te planquer. Ok. Toi, tu vas balancer ça là. Toi, tu restes là du coup. Cache-toi là pour être sûr qu'il te chope pas un angle de vue. Ils font pas du tout le même mouvement que tout à l'heure, hein. Lui il nous regarde pas, hein. Ça c'est bon, il nous regarde pas non plus. Ok, ils reprennent leur place. Bon, parfait. Ok, ça veut dire que là du coup, on va pouvoir activer ça, et toi, alors du coup, tu vas tuer celui-là, et l'autre du coup, tue celui-là. C'est parti. Alors attends, toi tu vas aller chercher le cadavre et tu vas revenir avec. Jette-le là. Ensuite toi, jette-le là. Alors c'est vrai que lui il fait disparaître les cadavres aussi. C'est à prendre en compte, hein. Humour them for now. We will bring up the pearls soon enough. That makes two. What do you say? What do you think? It does not suffice. A bit more. Of course, of course. Well, that's enough. I hope they like their lush little leafy entanglement. Good word. Okay, trois, ça suffisait. Thanks. Now, I believe we should burn something. Fire. It's the best. It's hot, not cold. Brave and bold. Steamy while creamy. May need a torch.
We'll gladly fetch a torch, but we've actually come for... A pearl! Yes, black and shiny. We have it. You want it, we know. Now grab a torch. Well maneuvered, Navigator. I spied a torch by one of the peaks. Une torche. I can help if you let me. Ok. Une torche. Loud and good. Oui, ça fait énormément de bruit ça. Je voulais voir ici pour le shooter, mais en fait c'est pas jouable. We can start from here again. Alors du coup, comment on va gérer la suite? Là, il se couvre, plus ou moins tous les autres, non, l'autre ne sert à rien. Lui il se balade, c'est lui quand il est là, il y a moyen de le choper probablement. Ça me paraît jouable. Surtout avec la téléportation de notre ami là. Ok, donc déjà on a libéré la place là. Lui on peut l'ignorer visiblement. Et lui, je pense qu'on pourrait shooter ces deux-là. Lui avec Afia et lui avec le charpentier. On peut se faufiler par là. Là, il y a moyen de monter aussi. Il y a un cadavre au milieu de chandelle ici, intéressant. Genre toi. Cache ici pour être à portée. Ensuite, toi. Faut que tu sois à portée de ça, parfait. Alors c'est parti. Tac. Tac. On sauvegarde. On exécute. Les autres en haut ils nous voient pas. Le dernier là, il est complètement à la rue. Il a déjà caché son cadavre, parfait. On va se planquer là. Tu l'as lâché. Viens là. Ok, c'est pas mal. Alors là par contre, il y a une appariée, il va falloir qu'on les tue les deux en même temps si on souhaite faire le taf. Ce qui va nécessairement vouloir dire... Nager... T'as pas lâché ton cadavre ? Si. Nager potentiellement. Alors la torche c'est ce truc là, on est d'accord. Ouais. C'est ce truc là, donc de toute façon il va falloir s'occuper de ça. Après, on peut peut-être déjà se débarrasser de lui. Discrètement, genre on le fait venir par là et puis on l'élimine. Lui est-ce qu'il voit là, est-ce qu'il surveille là? Ouais il surveille là, donc il va falloir qu'on passe par derrière. Là il y a un coffre qui servira peut-être pour plus tard. On devrait pouvoir nager et traverser là, mais c'est quand même tendu, surtout avec lui qui surveille. Faut qu'on aborde par ici, qu'on le chope, pendant qu'il papote là. Là il y en a un sur un toit, très bien. Ok, on dirait qu'il va falloir qu'on descende. Bon, je pense que pendant qu'on est là, on va aller s'occuper de lui. C'est un travail pour Toya. On va passer par là, on va vérifier s'ils nous font une blague. On va devoir attendre qu'il passe, ensuite grimper, se faufiler dans le buisson et attendre de le gérer. I stand ready. Oui Marley, je suis d'accord. On peut sauvegarder, on n'a pas fait grand chose mais ça se prend. I follow the plan. Tomo ni iku zo. C'est celui-là qui va être important. Je pense qu'on va pouvoir le neutraliser facilement. Donc il sort de l'angle de vue là. Il va assez loin en plus, j'ai l'impression. Nakama. Ça c'est bien discret.
Hop, juste avant qu'il se retourne, parfait. Alors du coup, est-ce qu'on peut éliminer ces deux-là sans qu'elle nous voit? C'est possible, hein. Franchement, c'est possible, hein. Une téléportation, une encre. What do we have here? Non, trop de bruit. My body fades. Plutôt un... plutôt un petit truc. Toi, ça fait combien de bruit? On va monter. Après, on peut aussi la geler. Ça peut être intéressant, hein. On la gèle, on se téléporte, on tue l'autre. Ça fait beaucoup de bruit ton truc, ça fait... ouais, ça fait quand même pas mal de bruit, donc on va devoir la geler, pas le choix. On peut la geler d'ici. On peut la geler d'ici, et du coup ce qui serait pas mal, c'est peut-être qu'on synchronise. On va rafficher ça. Ouais, on peut sauvegarder là, on va sauvegarder. Elle, on peut pas la tuer, hein, de toute façon. Vas-y, jette ça là-dessus. Alors, du coup... toi, tu gèles. Toi, tu fais ça. Toi, tu tues le commissarius. C'est parti. Toi, tu te replies. Never look back. Parfait. On a éliminé tout le monde dans son dos et elle a rien capté. Nickel. Donc on va pouvoir se replier tranquillement, repasser par la plage, nettoyer ce côté-là de la plage. Je pense que c'est plus safe. Beaucoup beaucoup plus safe. Notamment il y a une brèche là, il y a un mec à tuer. Move like water. Ces deux-là là, il va falloir qu'on les gère. What's in it for me? Toi, vas-y, now we're getting somewhere. Heavy. Emmène-le bah, par là-bas, tiens, c'est très bien. Toya, ready. Affirmative. Est-ce qu'on va pouvoir leur sauter dessus? Who disturbs the dirt around? My place is here. I shall not move from this place. Oh. Ils ont vu des traces parce que leur mec était plus là. Non, ils sont trop loin pour qu'on saute dessus. Ok, très bien. Ce qui veut dire qu'il va falloir une embuscade. Hop là. Alors après, on pourra aussi essayer de tuer celui-là et les stun. Hein. Ça se ferait. Alors, c'est quoi la portée de son truc? Il peut se téléporter jusqu'ici? Ah merde, je l'ai mis pas assez loin. Ça c'est pas de bol. Reviens plutôt le jeter par là. Bon, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Voilà. Comme ça au moins, c'est fait. On s'emmerde plus. Allez, butez-les. Et on n'en parle plus. Hop là. À la flotte. Voilà. Ça leur apprendra à nous embêter. Oh, il y a une porte ici. Enfin, je vois pas comment on y va. Du coup, on va pas pouvoir passer à Fia, hein, par contre. Ça va pas être jouable. Les seuls qui peuvent nager, c'est le... donc elle va remonter là-bas, elle. Mais le charpentier et l'autre, ils peuvent nager. Ils peuvent nager, donc je pense qu'ils peuvent débarquer, du coup. Alors lui, il va jusqu'où, là? Ok, il se fout accroupi, très bien. Alors, pour débarquer, ici, il y a un mec à tuer.
tuer. Et après, il y a des choses. Très bien. Il va falloir qu'on tue vite. That's what we do. Normalement, elle devait être dans l'angle mort. Putain de justice. Je pensais qu'elle allait continuer d'avancer. Merde. Cachez-vous. Bon. My blade is ready. All in one motion. Ah putain. Il a déclenché l'alerte hein, quand il a vu le truc. Zout. Bon, on est reparti. Toi, on a dit, tu retournes là-bas. C'est pile poil dans le dans la zone du cadavre. C'est pas de bol. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on avance jusqu'ici. Je pense pas qu'ils puissent. S'ils peuvent sprinter en nageant, ok, très bien. Et on va attendre que lui se casse parce qu'il est juste dans l'angle de vision, quoi. Il a vu, en fait, il a vu le cadavre. Ça lui a paru bizarre. Enfin, il a vu un truc bouger. Ça lui a paru bizarre et du coup, il s'est pointé juste pour foutre la merde. Et une fois qu'il a vu le mort, là, par contre, il a déclenché l'alerte. Et on se cache là. Ok, très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ces deux-là. Lui, il surveille là. Lui, il surveille ici. Mais on est juste hors de portée. Par contre, il a une cloche. Une petite sauvegarde. Good timing, Marty. Lui, il voit jusqu'où? Il voit pas là. Donc c'est lui qui nous pose problème. Pour cette zone-là. Alors, on peut... Est-ce qu'on peut se faufiler? Non, lui il couvre tout là. Lui il couvre là. Est-ce qu'il y a moyen de grimper ailleurs? Pas vraiment. Il n'y a pas de mec ici. Hein. Intéressant. Là il y a un commissaire qui fait je ne sais quoi, qu'on pourrait éliminer assez facilement. On peut grimper là. Ah, et on pourrait changer de stratégie et carrément faire le tour, éliminer d'abord en hauteur. Ça me paraît pas dégueu ouais, comme idée en vrai. Alors faut juste qu'on contourne largement ce mec, alors même encore plus largement que ça vu que visiblement il voit là. On va largement contourner. Voilà. Juste là, passer plutôt derrière. Par contre on n'a pas de... ça fait loin là. Bon bah. Toi mon gars. T'as cherché, hop là, ça c'est fait. Le commissarius, il repart par là après. On va essayer de choper ça vite fait avant qu'il se retourne. Ah, chaud, ça passe. Ok, donc lui il est mort. Dès qu'il s'approche, on bute. C'est quoi ce truc? Ah, il voit les traces. Il voit les traces quand on court en fait, on dirait. Intéressant. Raise with your legs. C'est quoi ce truc? On va aller voir, tiens. Ça a l'air d'être plutôt safe comme chemin. A memory for the Mari's hold. Oh, ce plongeon. In a moment. Ah non, visiblement ça bug un peu. Ok, c'est peut-être, c'est sûrement un truc qu'ils vont nous demander plus tard, donc pour l'instant. Passons outre. Voyons voir un peu. Alors ici attention, il y en a un qui nous surveille là. Alors le plus proche, qui c'est qui parle? Ok, il papote là. Le plus proche qu'on peut avoir. Ah ça passe pas. Ça ne passe pas. Et toi avec ton truc là. Non, ça passe pas. Zut. Donc il va falloir qu'on nage et qu'on contourne peut-être. Semblerait. Allez, plongez les gars. Ok, ils ont juste fait un petit plouf. On va aborder ça de l'autre côté. Alors, lui, il surveille là, mais dès qu'il s'est barré, on peut débarquer ici.
Qu'est-ce que t'as fait? Mais non. Faut être plus précis, les gars. Je vous donne des ordres, il faut les suivre. Pas faire je ne sais quoi là. Je veux que vous débarquiez ici. Une fois que lui sera parti. Ok, il papote. Vous allez là. Parfait. Hey, il y a des traces. Oui, on les voit là, les traces, effectivement. Tu veux un kill toi aussi? Allez. Une victoire écrasante avec l'encre, ça me paraît plutôt pertinent. Lui il est dans la zone mais pas celui-là. Okay. Nickel. Ça se nettoie. On va dégager tout le chemin pour pouvoir se déplacer tranquillement. On va voir notre petite sortie là. Toi. J'aime qu'il regarde l'encre vers le haut là. Ah bah, c'est parti, on va faire le suivant. Et toi, t'élimines celui-là. D'accord. On fait des traces dans le sable en fait. Quand on marche dans le sable. C'est bien fait hein. Je l'avais pas vu venir hein, le coup des traces, j'avoue. Bon, on est pas mal, ça fait un bon épisode, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. La suite, ça va être de nettoyer toute cette zone pour pouvoir accéder à l'appareil. Et une fois qu'on a l'appareil, on ressort Afia, on tue les deux et on sera bien. Enfin, en tout cas pour la prochaine énigme, mais bon, une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura quasiment plus d'ennemis sur le terrain. Donc il y aura peut-être quelques ennemis en bas là, mais pas grand chose. Donc je pense qu'on sera plutôt en bonne position. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour terminer cette mission. Merci à toutes et à tous.